Ok, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on a rendez-vous au FIBO, donc c'est le plus grand salon fitness d'Europe ou du monde ? Du monde. Du monde. On a rendez-vous là-bas. Hôtel, voiture, offert par une entreprise qui recherche un partenariat et qui nous a contactés. Donc si on est bien sapé, attendez, c'est quoi ce col roulé là ? Je suis pas encore prêt là, les gars. On s'est bien sapé parce qu'on a un contrat à signer avec un nouveau sponsor, les gars. On va vous en dire un peu plus en vidéo. Là, il y a Pimous aussi qui se fait joli. Regardez-moi. Quand on n'est pas en mode go muscu, comment ça rend ? Vous voyez ce petit boule là ? Espèce d'homosexuel. Là, il se fait belle, il est en train de s'épiler. Tu t'épiles ? Ah ouais, carrément. Et ce Kabyle là derrière moi, il me dit on décolle à 6h30 parce qu'il y a les bouchons en direction de Lille. Donc c'est soit on partait à 6h30, soit 10h. Si on partait à 10h, on allait arriver trop tard au salon, les gars. Donc 23h, je coupe mon téléphone, sachant qu'il m'a confirmé qu'on devait se réveiller à 5h pour ma part parce que j'ai une demi-heure de route. Pense à toi. Finalement, dans la nuit, monsieur, il joue à quoi ? League of Legends ? Non, franchement, j'ai joué à rien. Ouais, ouais, c'est ça. Je me suis endormi à 23, mais je voulais vraiment être frais pour les vidéos parce que tu sais très bien, je suis ronchon après si on parle. Ah, bah moi aussi. Du coup, moi je me lève à 4h50 et jusqu'à 6h30 du matin, pas de nouvelles, les gars. Et monsieur il dort, du coup là il va être en forme toute la journée, mais vous inquiétez pas, je vais vous préparer une belle de vidéo quand même. On est arrivé où, Pimous ? On est en Belgique. On va bientôt rentrer dans l'Allemagne, je pense. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, le FIBO, c'est en Allemagne, hein. C'est toujours là-bas, c'est à Cologne. Donc on est en train de se dire qu'en ce moment, on a beaucoup de chance avec Fitness Fusion. Parce qu'en 6 semaines, les gars, on est parti à Malte. Pour ceux qui ne sont pas vus, il y a les vidéos, hein, sur tous nos voyages. À Malte, Marseille, à Paris. Je repars à Paris semaine prochaine. On part à Bordeaux la semaine prochaine. On n'arrête pas, les gars. On repart encore en ligne. Et c'est pas normal de faire ça. Les gars, on est personne. On est des mecs comme vous qui regardent des vidéos sur YouTube. Et on n'arrête pas de bouger pour YouTube. Donc c'est incroyable en ce moment. Et bah, du coup, merci parce que c'est grâce à vous que vous nous suivez. Vous êtes engagés sur les vidéos YouTube et tout. Et c'est grâce à vous du coup qu'on arrive à décrocher des contrats là, comme on va signer. C'est pour ça qu'on est bien vêtus. Donc voilà, les gars, si on peut se permettre de continuer les vidéos YouTube et pas retourner à l'usine, c'est grâce à vous, à votre engagement. Donc n'hésitez pas, là, la vidéo n'est pas finie. Vous mettez un petit like, vous mettez votre commentaire. Au moins, c'est fait. Nous, ça nous aide. Vous, c'est gratuit. Et puis on pourra continuer d'avancer sur YouTube parce qu'il y a plein de choses qu'on a en tête, qu'on a envie de réaliser. On ne fait rien comme c'est déjà fait sur Internet. On a des concepts innovants qui vont nous aider à y arriver. Là, ils ont vu que les petits projets, ils n'ont pas vu les projets qui vont nous aider. Ah, c'est ça, ils ne savent pas. On a envie de vous en parler, mais bon, déjà en mai, vous allez avoir un aperçu de ce qui va se passer. Là. Il y aura un petit boom sur la chaîne, à mon avis. À chaque fin de vidéo, les dimanches, vous allez avoir un indice sur un de nos gros projets. Et ça y est, c'est enfin. Officiel, précisé. Ça sort en mai, ça devait être en novembre, ça sort en mai. Force et Fion. Arrêtez avec ça les gars, c'est notre slogan, faut le respecter un petit peu. Là-bas sur place, on va vous montrer des culs. T'es un baiser ou quoi toi ? J'ai pas le droit de dire ça. On va montrer des culs d'hommes, des hommes bien poilus, bien velus. Non mais je sais, nos copines, elles nous en voudront pas. On sait que les gens qui regardent cette vidéo, c'est pour voir des culs. Je suis homosexuel, je vais voir que des hommes, voilà, c'est bon ? Bon, on est arrivé en Allemagne, il nous reste 30 minutes de route à faire. Et il s'est plaint en retard, mais regardez comment je suis un bon cousin. Bon, il a pensé à moi, il m'a préparé mon. Regardez comment je suis un bon cousin. Ce n'était peut-être pas prévu, je pensais qu'on allait manger sur le compte de la société et il m'a pris mon petit tube. Bon, c'est dégueulasse là, mais c'est bon. C'est un menteur. Non, en vrai, c'est un menteur. En vrai, t'as bien assaisonné la viande. Voilà. Viande hachée, curry, piment. Là, je le sens. T'as mis les doses. Hein. Ouais, j'ai pas fait semblant. Tu fais pas semblant, toi. Ouais, non. Tu charges autant que tu te charges. Sale bâtard. Donc là on découvre, hein, on est un peu comme vous. C'est grand, c'est immense. C'est très grand. Il y a quoi ? Il y a 10 salles ? Il y a 10, 11 salles je crois, 11 salles. 11 salles. Donc là aujourd'hui c'est surtout les entreprises. Donc il y a peu de monde dans les halls. On a fait en sorte de vous apporter une bonne qualité d'image et de son là. Bon, qu'est-ce que tu veux voir, Pimous, au FIBO ? Je vais m'arrêter à la Techno Gym ici. J'aimerais bien qu'on passe sur tout ce qui est Panatta, Hammer Strength et compagnie. Et ensuite, on va aller voir la nouvelle marque avec laquelle on va travailler. Ça marche. Une machine à trust, c'est plus à toi d'aller là-bas, pas à moi. Bon,
on vient d'arriver sur le stand Technogym. Je sais pas, peut-être qu'on va aller tester un peu de bench. Je vois qu'il y a des gens au bench. Ou bien des machines un peu de bras. Je sais pas, à voir avec Gijo s'il est chaud. On congestionne les pecs, il y a des bancs là. Non, mais là, on fait pas de machine. C'est demain la séance. Lui, il faut tout faire aujourd'hui. Vas-y. Déjà, tu m'as mis en retard. Aujourd'hui, on leur fait visiter. Demain, on va faire un training. Panata les gars, meilleure machine de tous les temps. Souvenez-vous, on a fait une à USA Gym à Barral et les machines elles sont exclusivement faites de Panata. Vous allez voir, c'est les meilleures. Bon, t'as pas l'impression d'être assis dans une Formule 1 là? Oh, c'est incroyable. Et ce qui est bien en fait sur cette machine là, c'est que la taille des pieds vous la réglez automatiquement en fait, juste en poussant. Et du coup, vous avez un appui solide pour pousser. Incroyable! Bon les gars, Timous, je suis en train de gérer la meuf, la responsable du... Bon, gérer, c'est un grand mot. Hein. Juste, il a pris son contact. Si on reçoit des machines Panata, c'est grâce à lui. Bon, en gros, je vous la fais courte. Il a dit que je l'ai géré. J'ai géré des grosses mouches. En fait, elle m'a vu mon prénom, elle a vu Albino, elle a vu que j'étais italien. Elle a commencé à parler italien. Je lui ai expliqué qu'on avait une chaîne YouTube, qu'on était des Italiens, tout ça. Et du coup, elle a pris tous les contacts. Des Italiens peut-être... et des rebesoins. Et des rebesoins. Elle a pris les contacts pour travailler avec nous potentiellement, elle a dit. Mais qu'est-ce qu'elle et elle aimerait bien nous voir demain, parce qu'il y a des athlètes à eux qui ont fait Olympia qui seront là demain, matin. Incroyable. Donc, demain matin, on y passe. Forza Italia. Son boule. Bon les gars, on vous a parlé de l'entreprise qui nous a invités au salon. Là, on est en train de les chercher. Ils sont au hall 10.2. Donc c'est assez grand, on galère un peu. Dans quelques instants, vous allez savoir avec quelle marque on va travailler. Avec, comment c'est la marque de préservatif? C'est Durex, non, Manix. On va avoir des problèmes. Je peux t'en sortir 10. On va couper vite, on va couper très vite. Savoir qu'on a monté une société avec notre piteuse chaîne YouTube. Smarly, DJ professionnel de l'Union Européenne du Fitness Fusion, des directions unilatérales. N'importe quoi. Non, mais là, ce qu'on va se dire, ça peut être intéressant pour la communauté non. Si on travaille pas avec eux. Vraiment, dis-moi ce que tu penses. Ce qui va me poser problème déjà, c'est que c'est vendu 100 euros, je trouve ça cher. Je trouve ça excessivement cher. Autre chose, on prend 40% des commissions. Ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'eux, la marge qu'ils prennent, elle doit être gargantuesque pour qu'ils nous donnent déjà 40%, plus le code promo qui va être appliqué. Ça veut dire que la marge qu'ils prennent, elle est atomique, donc la qualité du produit forcément détériorée, même si la boîte est belle. Autre chose, ces arguments m'ont pas convaincu. En fait, quand on parlait avec, on avait l'impression que tout était magique. Ouais. Ça pouvait guérir tous les maux. Ouais, ouais. Dès que tu lui disais, oui, mais nous, on fait pas ça, on fait ça. Oh, mais ça aussi, ça marche. Ouais, mais on fait aussi ça. Ouais, mais avec ça aussi, ça marche. Donc, nous, là, les gars, on est en train de parler, on se regardait avec Pimous, on se demandait vraiment. À moins que dedans, il y ait des stéroïdes, tu vois. Ça ouais. M'étonnerait que ça marche vraiment, ce qu'elle a dit. Ou alors, c'est que dedans, il y a des trucs. Ouais. En gros, là, on avait besoin d'avoir un salaire ouais. régulier sur Fitness Fusion. Ça nous aurait fait un joli fixe. Du coup, on était prêt à travailler avec une marque, mais le problème, c'est que si la marque, elle nous plaît pas, on peut pas accepter. Ouais. Même si ça nous fait un gros billet à la fin du mois qui nous permettrait de développer la chaîne un peu plus. Possible. Parce qu'on en a besoin de l'argent, si vous voulez qu'on dure sur YouTube. Mais nous, on veut pas vous mentir. Voilà. Du coup, là, franchement, on sait pas. Il faut qu'on réfléchisse moi, quand même. Mais... Déjà, tester le produit, pourquoi pas. Et ouais. Si on sent vraiment des effets, on le dira, tu vois. On n'est pas des menteurs. On a toujours été très transparent avec vous. Filme-moi ta race, il filme sa grosse tête de rebeu. C'est lui, là. Il tourne. Chien. En gros, on a toujours été transparent avec vous. Quoi qu'il en soit, on dira toujours la vérité. Donc, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de mensonge. Sur Fitness Fusion, on mentira jamais. Ouais. On dira toujours ce qu'on pense. Parce que là, en gros, il nous a envoyé un colis. Il arrive demain à la maison. Nous, on sera encore en Allemagne. On aura un mois pour le tester. Et aujourd'hui, c'était une rencontre. Nous, on en a profité aussi pour avoir le salon au Fibo gratuit. Mais le problème, c'est qu'on a un petit coup de mou hein, quand même, parce qu'on s'attendait vraiment à travailler avec eux. La proposition était trop intéressante. Ouais, c'était alléchant. Franchement, fait. Si vous étiez à notre place, bah, viens, on leur dit combien c'est pas vous tabou, auriez frère. Signé. Et en gros, on a vraiment besoin de cet argent pour nos projets, que ce soit pour bouger et tout. En fait, ça nous coûte énormément, ne serait-ce que l'oie musclée. Dites-vous que c'est une vidéo qui nous a coûté à peu près 300 balles à faire. C'est énorme. Et on a besoin vraiment pour nos gros projets de ça. Et ça nous proposait un fixe en fait qui était de 600 euros, on peut le dire. Et c'est peut-être peu pour vous, mais pour nous, ça nous débloque des
des grosses possibilités. C'est pour ça qu'on vous dit achetez-nous des programmes, utilisez le code Fitness Fusion, vous vous rendez pas compte vraiment que ça nous aide énormément quand vous faites ça. Parce que nous là, ça fait maintenant 2 ans qu'on est sur YouTube. Au départ, on a tout investi de notre propre argent. On en a fait dépenser de l'argent. Donc, on travaille à côté, on a YouTube aussi à gérer. Des fois, c'est compliqué, les gars. Mais on sait qu'on va y arriver. Mais là, les marques, elles commencent à arriver aussi. Mais il faut qu'on choisisse la bonne marque. On veut pas travailler avec n'importe qui. D'ailleurs, on parle de marque. On est toujours chez QNT. Hein. Et on est aussi chez Gymshark maintenant. Pas encore, mais bientôt. Mais là, c'était un produit premium. C'était du fer. Et ça avait l'air quali. Et ça avait l'impression qu'il y a beaucoup de bullshit. Mais ouais, je leur fais pas confiance. Donc, on est toujours pauvres. On est toujours en reste. Ça bouge pas, les frères. Vraiment, acheter des programmes. Il y a promotion en ce moment. 140€ le 200€ programme personnalisé. N'hésitez vraiment pas sur fitnessfusion.fr. Je suis dégoûté, je pensais enfin avoir un fixe, un salaire régulier. Mais c'est tout. Entre au ventre. Faut attendre le bon moment. Bon, on va continuer cette visite. Il nous reste encore demain. Demain, on a prévu de faire un training au salon. Ouais, ne vous inquiétez pas, on a prévu du contenu. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va visiter encore un peu et demain, grosse séance, les gars. Quoi, DJ, allez, non, c'est pas là qu'il faut aller. Oh, sens interdit. Voilà, l'Adim, sens interdit. Et voilà, regardez, il fait quoi l'arabe. Bon, là, on vient de sortir du Fibo. On va partir à Lidl faire des courses histoire d'avoir de quoi manger ce soir. Parce qu'on n'a pas envie de se faire que livrer. Ça va, en plus de coûter cher, ça va être de la merde à manger. De tenir ton micro. On dirait un présentateur. Je suis Samuel Etienne. Samuel et pas la tienne. Ouais, quelque chose à rajouter, monsieur Didio de Fitness. Enlève quand tu tiens comme ça. On va à Lidl et ensuite, on se retrouve pour faire le point sur les courses. On rentre par la porte, non ? On parle comme ça. On parle comme ça. Comme ça. Arrête, tu vois, t'es un bâtard. Bon, on vient d'arriver dans le Airbnb. Quand on rentre, ça fait salle de bain direct. Wesh. Bon, on vient voir. Viens, on invite tous les abonnés. On se met tout nu dans la douche tous ensemble. Non, c'est des amis. C'est quoi ça ? Mais gros, c'est immense. Après, on a mis le prix là pour une fois. C'est encore plus grand que Chine ? Moi, je préfère inviter l'autre chez moi. Hop, petite douche. Après, bon, il y a les toilettes, on va les utiliser. Ça, c'est sûr. Et ce qu'on a mangé ce midi ? Le lit, bien haut. Pour les petits comme nous, c'est excellent. Mais Manu, elle va être gâchée parce que je dois être cet animal. Jamais il va me dire bon, cousin, t'es fatigué. De ta faute, t'as pas. De ma non, faute, j'ai pas à dormir. Je vais aller dormir dans le fauteuil. Non. Et ben non. Non. Petit canapé. Non. Je vais dormir à 10. La cuisine. À 21h, je suis couché. À 3h du matin, je suis réveillé en pleine forme. Je te réveille. Hop, c'est pas grave. Hein. Moi, je prends un Uber, je rentre chez moi. Ok. Je te le dis. Je vais faire halal demain matin. Petite télé et petite terrasse. Ce soir, c'est barbecue. Franchement, on est bien. On est bien. Ah, non, on a de la chance. Là, on est bien. Mais j'ai pas kiffé la majorité de sa faute. Je voulais faire des belles. Regardez comment il est aigri. J'avais pas envie. C'est ça votre youtubeur Didio de Fitness non, Fusion. Moi, je ne me force pas. Quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je dors 3 heures et après, faut faire le mec. Je suis content d'être là. Niquez-vous, merde. Vite. Yes, ils ont pas vu la shape, ils peuvent pas dire que je suis un gros lard. Oh là là, mon chéri, viens t'allonger. Ça reste. On est homosexuel, on a dit. Bon les gars, on va se coucher. Demain, grosse journée au Fibo. On vous prépare aussi une nouvelle vidéo. On va tester une salle en Allemagne. C'est du jamais vu, on vous avait dit qu'on voulait tester toutes les salles dans le monde. Ça commence par là. Et on va tester aussi les machines du Fibo. Donc à demain, bonne nuit. Et merci d'être encore présent sur la vidéo. Ça fait plaisir. Il n'y a pas un problème au niveau des couettes? Elles sont courtes. Je vais dormir avec ça. Arrête, elles sont courtes. Ça, il faut l'enlever. Ils nous ont mis des rideaux pour dormir, d'accord? Une nappe, frère, dans le lit, regarde. Une nappe. Je pensais que tu voulais cacher quelque chose. C'est un plan motivation café, c'est ça? Exactement. Incroyable, cette petite vie. Ça va. Bon, les gars, je suis dégoûté. J'ai pas pu le réveiller, hein, comme vous m'avez proposé sur Instagram. Il s'est réveillé avant moi. J'attendais qu'il se réveille, comme d'hab. Non, mais tu sais qu'il voulait te faire des dingueries, les abonnés. Oui, je le sais qu'il voulait me faire des dingueries. Connard. Le jour où tu me claques un œuf ou tu me jettes un seau d'eau, je te dis, on est plus cousins. Je fais pas ça comme ça. Parce que, en fait, un truc comme ça, on est plus cousins. J'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc, ça, ça va trop loin. Après, j'avais précisé dingueries. J'avais oublié qu'ils étaient assez fous, les genre, abonnés. Genre, tu mets une baffe dans la pièce, tu mets des bruits de paix à fond, ça me fait rire. Mais pas des seaux d'eau et des trucs comme ça, ça va trop loin. Avec la question, donnez-moi des idées pour réveiller Pimousse. Les fils de pute. Non, je te le dis. Ouais, respecte un peu les gens, même s'ils ne te respectent pas. C'est comme eux qui te payent ce café. En fonction de ce qui va être écrit, je vais dire si c'est des fils de pute ou pas. C'est des fils de pute. Gros, ça commence avec Diego Jiménez, bifle-le. Voilà. Un fils de pute. Lui, il s'est dit, ils sont dans le nord, tu vois, c'est faisable. Il peut se permettre. Pour votre cas youtubeur, Michael PA, tu lui pisses dans la bouche. Carrément, gros. Au réveil, au calme. T'as pas de jus de fruits. C'est tes abonnés, c'est pas les miens, c'est tes abonnés. Versus du soda Lidl, frère, la marque, elle est importante.
La base en plus. Et la bif, le pire, c'est que la bif, elle revient souvent. Bah, une bif sur le bout du nez de Madrigues. Par contre, t'es dans les fesses, t'aurais kiffé là de Emery. Je serais régalé. Non, il y en a plein, je vais pas te saouler dire, les gars. Nous, on doit arrêter d'être bizarre. Arrête de dire que c'est bizarre d'être bizarre. Non, non, eux, c'est bizarre ce qu'ils proposent. On bifle pas les copains. Moi, je veux pas être votre ami, je vous le dis direct. On a la communauté qu'on mérite. Non. Ça veut dire ces gens-là, si jamais il y en a, ils se reconnaissent parmi ça, ils se disent ah mais je le connais, je le suis sur Insta, ça ne m'est pas, on en a fait des soirées. Potentiellement tu dormais, t'as biflé, t'es pas au courant. Voilà, bloque-le. Comme ça tu le sais. Bon programme du matin du coup. On va aller à la salle. On a pris le café en pré-workout justement. Je vais aller pré-workout dans le chiotte, là je vais aller faire mon pré-workout du toilette. Donc de toute façon, c'est une règle en musculation. Gros caca avant la séance, c'est signe de très bonne séance. Il faut avoir le ventre plat de toute façon. Voilà. Et après on va à Lidl chercher du poulet pour manger à midi quand même. Ce matin on s'est tapé des œufs avec du pain complet, on a fait vite fait. Tranquille. Donc là, la séance, elle sera dispo, on va en faire une vidéo, ça sera à part, elle s'affiche ici si elle est déjà sortie, sinon elle s'affichera plus tard. Et ensuite, au Fibo, on a rendez-vous dans le stand Panatta. Et on doit... au matin, on est déjà en retard, comme d'hab. Et on doit refuser le partenariat avec la marque, on n'ose pas lui dire que c'est de la merde. On va voir sa réaction. On va lui dire quoi? On va lui dire on veut pas. On veut lui dire non, on respecte nos abonnés. T'as changé d'avis? Comment ça? Bah je sais pas. Bon, on lui avait dit non. Bah tu fais, on prend l'argent. on prend l'argent, mais on prend pas le partenariat. Bon les gars, on a fini la séance. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça si elle est en ligne. Ah, sinon, attendez un peu. Ils sont Géchard. Direction le Fibo. Et lui, il m'énerve. On s'est perdu. Ils sont Géchard. Voici, t'es en train d'upload un. Allez voir sur le réel que j'ai mis sur Insta. Il est incroyable. Ah, vous allez dire, on est Géchard au max. Petit aperçu. Au maximum. C'est tout. Il y en a eu assez. C'est tout. Instagram Fitness Fusion les gars. Géchard au maximum. Bon les gars, fin du salon du du body fitness. Fin du Fibo. On avait oublié de faire l'outro, donc on va dire ce qu'on pense un peu du salon 2022 après Covid. Hein. Et aussi on va vous parler du partenariat qu'on a pas signé. Moi c'était mon premier salon fitness. J'avais jamais fait de salon fitness. Toi je sais que t'en avais déjà fait. C'est vrai. En France. Donc voilà. Rien à voir avec le Fibo. Mais t'en avais quand même fait un en soi. Moi la première question qui me vient, c'est est-ce que t'avais une différence entre le Fibo et le salon en France toi déjà? Ouais. Bah le Fibo déjà c'est le plus grand salon au monde. Ça a rien à voir avec le salon du fitness où il y a un grand hall en France. Là il y avait 8 ou 9 grands halls il me semble. Ouais c'était énorme. C'était vraiment grand, il y avait plusieurs exposants de toute origine et tout ce qui touchait au sport il y avait, que ce soit même le bien-être. On a vu du blanchissement dentaire. On a vu quoi? On a vu des tenues de sport, des machines de massage, plein de trucs. Et le truc c'est qu'il y avait peu de monde parce qu'on est après Covid, donc je pense que c'est dû à ça. On est aussi venu jeudi vendredi, c'est souvent ceux qui viennent pour parler business, pour signer des contrats et on va aller revenir. Mais sinon au niveau des machines, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu? Niveau machine, j'ai vu quelques bonnes machines. Moi ce que j'ai vu d'intéressant c'est quand on est passé chez Canali. Ouais. C'était bien, c'était que du poids de corps, il y a pas besoin de disque, donc tu te prends pas la tête avec le disque, t'as juste à bouger un truc. Donc là c'est les fauteuils qui représentent une colonne vertébrale. C'est ça. Et c'est ton poids que tu gères et tu rajoutes de la résistance. Je sais pas comment ça marche, mais je crois que ça rajoute, c'est le bras de levier qui change, plus il monte et plus c'est dur. Il m'avait expliqué. Et les sensations. Et t'as pas besoin de disque, les sensations sont ouf. Ouais. Et la forme des sièges en fait, il nous a expliqué, c'est juste nous on a trouvé ça beau, tu vois. Ouais. Et on lui a demandé pourquoi, parce qu'on voit jamais ça ailleurs. Et en fait, c'est pour rappeler la colonne vertébrale. Donc c'est ça. Hein. Et il a dit que c'était design aussi. Voilà. Ils ont du style les Italiens. Ouais. Après il y avait Panatta, classique, j'ai bien aimé. Et ça je crois qu'à USA Gym à Barral, là où on a l'habitude de faire des vidéos, cette machine là elle va arriver, donc je suis pressé d'aller en faire une vidéo. Évidemment. Ouais. À essayer, on l'a fait, mais en faire une vidéo vraiment. On est passé que sur quelques marques, on a pris celles qu'on connaissait entre guillemets. Ouais, parce que nous le but c'était d'y aller pour le partenariat. Ouais. Et on en a profité aussi pour vous faire d'autres vidéos. Les figures, tous les culs que t'as filmé. J'ai vu aucun cul. J'ai rien que des hommes. C'est même eux ils les ont vu. Sinon pour le partenariat, donc les gars, on a refusé, donc on est toujours pauvre sur Fitness Fusion. On est en hesse. Bon, on a toujours QNT, n'oubliez pas, moins 20% avec le code de Fitness Fusion, ça c'est placé comme ça. On a préféré ne pas poursuivre avec l'offre qui nous était proposée, alors qu'elle était super intéressante, les gars. On avait un fit tous les mois, plus 40% de commission sur des produits qui valaient en moyenne 100€. Ouais, donc, les 40€ par vente. Ah, c'était énorme, ça nous aurait permis à nous d'avoir un bon salaire avec Fitness Fusion, mais on s'est dit que c'était pas le bon choix parce qu'au final le produit c'est pas quelque chose que nous on utiliserait et pour nous ça sert à rien en fait. C'est plus pour les personnes âgées, les gens qui vont faire ta course, mais pas pour nous. Donc on aurait pu se dire ouais on va le prendre, on va le vendre et nous on aura de l'argent, mais le truc c'est que sur internet là on essaie d'instaurer une relation de confiance avec vous. Si on commence comme ça dès le début, c'est fini, vous nous ferez plus jamais confiance et la chaîne elle s'arrête.
arrête dès demain en fait. Donc pour pas faire de mauvaise pub à la marque, on va pas vous dire avec qui était la marque. Après, il y a pas de mauvaise pub, c'est juste ça convient pas à nos objectifs, mais ça peut convenir à d'autres objectifs. Ouais, c'est ça. Mais moi je vois peu d'intérêt à utiliser ce complément alimentaire. En vrai, c'est pour les vieux. On espère qu'il y aura d'autres marques par la suite qui vont venir travailler avec nous. D'ailleurs, ce qu'il y a dedans, c'est bien pour ceux qui perdent des cheveux et toi, je sais qui te reste genre 3 maximum. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio Force et Fun.